avec Messer. Ingénieur des mines. Démolition classe C. Rendez-vous au secteur Parker. Bon vol? Ouais. Super. Et maman? Tu lui manques. Désolé pour l'enterrement de papa. Ici, c'est plutôt dur. Je m'attendais pas à ce que tu traverses le système solaire pour ça. Donc, c'était quoi, ça? L'EDF. La route est à eux et le reste aussi. Oublie la propagande. Libérer Mars, c'est fini. La Red Faction? Y a pas eu assez de morts l'autre fois? C'est la loi martiale ici. La torture. Les camps. Les commandos. Le peuple a besoin d'espoir. Bon, voilà. J'ai ton matériel là-bas. Bon, alors voilà le topo. D'ici 2 semaines, on pourra. Bouge pas. J'ai déjà vu cette fille. J'en doute. Comme je te disais, plus vite on s'y met, plus vite on sera payé. Viens. C'est le site dont je te parlais. C'était un centre de recherche avant que les maraudeurs tuent les scientifiques. Les maraudeurs? Mieux vaut éviter de traîner ici la nuit. Mais c'est un bon coin pour trouver du métal. Je suis mineur, pas ferrailleur. Sur Mars, le métal vaut de l'or, frérot. T'as ton marteau et tes charges? Bon, voyons ce que tu sais faire. Merde, ils arrivent. Un vaisseau de l'EDF. Je pensais pas les voir là aujourd'hui. Je vais voir. Occupe-toi du métal. Tu vois ce métal sur le sol? Ramasse-le, on pourra l'échanger. Sers-toi de tes charges pour détruire cette grosse structure. Pour l'instant, tu peux placer 2 charges avant de les faire exploser. N'oublie pas que quand tu changes d'arme, tu peux toujours utiliser le détonateur. Reviens me voir si tu as besoin de charges. Fais vite, Alec. Dan, qu'est-ce qui se passe, merde? C'est qui cette fille? Tu sais bien ce qui se passe. Alec, la Red Faction aurait besoin d'un gars comme toi. Pour faire quoi? Qu'est-ce que vous faites par ici? Fais ce qui est juste. Je suis pas un terroriste, Dan. Parce que voici, l'EDF anéantit nos villes. On a besoin d'aide. On m'a déjà attiré assez d'ennuis sur Terre. Ici, je veux juste faire un boulot honnête. C'est pour ça qu'on se bat. Si on ne résiste pas, ils nous prendront tout. Arrête!
Alors t'en vois le bout ? Il faut qu'on se planque. Pourquoi ? Daniel Mason, vous êtes en état d'arrestation. Rendez-vous ou nous ouvrons le feu. Allez, cours ! Cours ! Dan ! L'EDF a métamorphosé la planète Mars. Ils l'ont terraformée et aménagée. Ils ont bâti des bases, des points de contrôle, des miradors. Nos protecteurs sont devenus des envahisseurs. Et ils ont tué mon frère. Dan disait qu'il nous prendrait tout. C'est vrai, je n'ai plus rien. Lâche ton arme, vite! Une arme? Vous avez peur d'un marteau? Hey, de quel droit vous fouillez dans mes affaires ? Ton frère s'appelle Daniel Mason. Oui, il s'appelait. Il est mort. Cette caravane et tout ce qu'elle contient ont été confisqués par l'EDF. Tu es en état d'arrestation. Mais pourquoi ? Je suis pas au plus malin, mineur. C'est de la Red Faction. Écoutez, je viens à peine d'arriver... Tu perds pas de temps, dis donc. On a trouvé ces détonateurs au milieu de tes affaires. Je travaille dans les mines. J'ai un permis pour ça. Et pas plus maintenant. Butez-le. Il nous attaque! On va vous écraser, enfoiré! J'ai besoin d'un coup de main! Ils feront tout pour te trouver, maintenant. Il a dit que j'étais de la Red Faction. Tu es de la Red Faction. T'as plus le choix. Mason, je m'appelle Samania. Je travaille avec ton frère. T'en as de la chance. Je sais que c'est beaucoup te demander, mais tu dois nous faire confiance. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas vraiment d'autre choix. Le commandant veut que je te donne ça. Ce manuel t'aidera à survivre sur Mars. Bienvenue dans la Red Faction. Je vais vous apprendre les bases. Il y a 6 secteurs sur Mars.
Parker, Dust, Badland, Oasis, la zone de tir libre et EOS. Chaque zone est contrôlée par l'Earth Defense Force. Notre but est de libérer ces 6 secteurs et de chasser l'EDF de Mars. Le problème, c'est que l'EDF est une organisation militaire professionnelle. Ils ont de l'argent, des armes, et ils sont assez entraînés pour nous écraser. Un assaut direct est impossible. Nous devons frapper leurs points faibles, les prendre par surprise, et détruire leurs installations importantes avant de filer. Si vous devez échapper à l'EDF, vous fournir en munitions, ou trouver de nouvelles armes pour vos frappes, vous pouvez aller dans l'une de nos planques. Les planques disponibles sont affichées sur la carte. Bonne chance. Nous n'avons pas accès aux lignes d'approvisionnement de l'EDF. Et voler leurs armes n'est pas suffisant. Sam travaille comme ingénieur pour la Red Faction. Elle vous permettra d'improviser des armes à l'aide d'explosifs miniers et d'outils industriels. De l'EDF doit livrer les plans d'un nouveau pod. Traquez-le et voyez ce qu'il transporte. Mason, voici notre ancienne base d'opération. Il a fallu évacuer avant que l'EDF ne la découvre. Nous devons maintenant effacer nos traces. Je sais que vous vous y connaissez en démolition, donc on compte sur vous. Il faut absolument détruire ce bâtiment. Faites sauter tout ce qui pourrait guider l'EDF jusqu'à nous. Vous pouvez le faire ? Ça va être du gâteau. On te transmet les coordonnées. Bien sûr, j'y vais. Davis. Hugo Davis. Comment vous êtes-vous fourré dans ce pétrin ? Les conglomérats miniers ont découvert un immense gisement de minerais sous notre colonie, et ils ont essayé de nous virer. Quand on a résisté, l'EDF est arrivé. Une vraie boucherie. Je suis désolé. J'ai trouvé des survivants venus d'autres colonies et on s'est organisé. Mon frère nous a rejoints peu après. C'est du Dan tout craché, ça. Dès que ça chauffait, fallait qu'ils se battent. S'il y avait plus de gens comme lui, on aurait une chance de gagner cette bataille. Peut-être. Bon, je suis à la base. Utilise tout ce que tu peux pour la détruire. On a laissé des réservoirs de carburant. Tire dessus ou pose une charge pour les faire exploser. Yeah!
avançant. Mason, une unité de l'EDF se dirige vers toi. Dépêche-toi de faire ton boulot. Vous disiez que ce serait facile. Les renforts de l'EDF sont en route. Rentre à la planque. Ils sont au-dessus de toi. Tire-toi de là vite fait. Vous disiez que ce serait facile. Bon boulot. Oui, je vais bien. Merci. Ton frère serait fier de toi. En tout cas, vous avez la même définition du mot facile. Je sais que t'es en rogne, mais je ne peux pas me permettre d'anticiper ou de jouer la prudence. Ton frère avait bien compris ça. Mason, tu as vu de quoi ils étaient capables. Il faut qu'on riposte, et on a besoin de ton aide pour le faire. Il y a de nouvelles infos utiles dans ton manuel de la guérilla. L'emprise de l'EDF sur chaque secteur par... Votre carte indique le niveau de contrôle de chaque secteur. Effectuez des actions de guérilla, comme des raids, pour le faire baisser. Vous pouvez aussi détruire les installations de l'EDF en rouge. Nous avons identifié des cibles clés des opérations de l'EDF. Lorsque vous détruisez les cibles moyennes, le niveau de contrôle de l'EDF baisse beaucoup. D'autres cibles sont encore plus importantes. Vous devrez alors planifier votre assaut pour avoir une chance de vous en sortir vivant. Mais le jeu en vaut la chandelle. Chaque secteur, pour avoir une chance de battre l'EDF, il nous faut le soutien du peuple. Pour cela, il faut augmenter le moral dans chaque secteur. Le moral augmente lorsque vous effectuez des actions de guérilla, que vous détruisez les éléments de propagande, ainsi que d'autres choses encore à découvrir. Mais lorsqu'un civil est tué, le niveau de moral chute. Alors, soyez prudent. Lorsque le moral d'un...
davantage que ne pas esquinter mon maquette. Tu seras une armée à toi tout seul. C'est encore mieux qu'avant. Red 5, répondez. Red 6, répondez. Red 9, vous avez Red 6 en visuel ? Je préférerais être à l'alcova.
Et nous, on rogne. Découvrir ce qu'il y avait dans la base que vous avez rasée. Ils mènent leurs interrogatoires au deuxième niveau de l'usine de tamisage. Thank you.
ça va? Je vous en prie, emmenez-moi dans une planque. Ferme-la, Freeman. Tu m'as encore rapporté du métal. Le DF devrait nous protéger de ces mots. Ce boulot, il faut tenir compte de ce qui vous entoure. Ne restez jamais dans la zone d'explosion. Bien faire ce boulot, il faut tenir compte de ce qui vous entoure. Ne restez jamais dans la zone d'explosion. Thank you.
commencer cette mission. Nous avons appris qu'un officier supérieur de l'EDF peut passer à l'ennemi. Sam est parti le rencontrer. Sam sait se débrouiller, mais elle n'aurait pas dû y aller seule. Après ce qui s'est passé dans la base, je ne veux prendre aucun risque. Rejoignez Sam au plus vite. Sam, t'es là ? Y a un problème ? Mon commandant pense que tu vas droit dans un piège. Il est parano après ce qui est arrivé à ton frère. Attends, j'ai entendu quelque chose. Merde ! L'EDF ! Sam, sors de là ! Je peux rien faire ! Pas les choses à moitié. L'EDF a envoyé des renforts. Continue à faire le malin ou tu te prépares à les recevoir? Pourquoi pas les deux? Les camions doivent passer sous ce pont. Ils vont forcément fouiller le bâtiment. Le bâtiment dans lequel ils m'ont attaqué. Fini le boulot. Le DF. Ça aura plus de chance contre l'EDF près des bâtiments. Ne reste pas à découvert. Essaie de poser des charges près de la passerelle et attends le passage de l'EDF. Il faut que ça explose au bon moment.
nos éclaireurs. L'EDF se prépare à attaquer le secteur. Tout le monde au comptoir commercial de Red Rock. L'EDF prépare une attaque en force. Demande si les maraudeurs ont quelque chose. Il va bientôt nous falloir une autre. Ça devrait t'aider. Le général Ross estime que le conflit sera rapidement résolu. Les troupes de l'EDF ont occupé la base opérationnelle de la Thank you.
sens qu'on va faire changer cette planète. Pour bien faire ce boulot, il faut tenir compte de ce qui vous entoure.